Le département informatique est un des 8 départements de l'Institut universitaire de technologie de Montpellier 7. Il accueille tous les ans 340 étudiants répartis sur une formation qui est le bachelor universitaire de technologie, mais aussi les licences professionnelles. Le cœur de métier de cette formation est le développement d'applications informatiques. Quelques exemples d'entreprises qui accueillent nos étudiants, eh bien, les sociétés de services, cœur de métier de la formation et du développement, mais aussi des grands groupes industriels, mais aussi des petites entreprises locales dont le cœur de métier, c'est le développement d'applications informatiques. Le bachelor universitaire de technologie est une formation professionnalisante sur 3 ans qui répond bien aux besoins des entreprises. Il permet naturellement à nos étudiants de s'intégrer dans la vie professionnelle. À l'UT de Montpellier 7, sur le parcours bachelor universitaire de technologie sur 3 ans, nous proposons 3 parcours. Un premier parcours cœur de métier qui est le développement d'applications et l'intégration d'applications dans les entreprises. Un deuxième parcours qui est un développement plus spécifique d'applications dites communicantes qui concerne surtout tout ce qui est réseau. Et un troisième parcours qui est plus orienté gestion de projet et donc intégration d'une application dans un contexte professionnel. Ces parcours seront choisis à partir de la deuxième année, après une première année de socle commun. À partir de la deuxième année, ils seront proposés aux étudiants plusieurs stages. Le département informatique propose aussi 2 licences professionnelles qui vont permettre aux étudiants passionnés par la partie développement de se spécialiser dans des technologies comme le développement web ou mobilité, mais aussi dans l'intégration de logiciels qu'on appelle de manière plus générale les ERP. Ces licences sont toutes proposées à l'alternance et elles permettent un très bon niveau d'intégration pour les étudiants à l'issue de ces formations.